et protégé. Protégé. Je pense que la cohésion sociale entre les gens, je trouve que c'est un département où il y a beaucoup d'actions solidaires qui sont menées. Ce dynamisme déjà économique. Tout ce qu'on a comme, comme campagne quand même. L'environnement, ça compte beaucoup. Peut-être les cours d'eau en priorité. Les arbres, ils sont comme ça, tranquilles, mais si vous les coupez, c'est grâce aux arbres qu'on respire. Il faut protéger aussi les animaux. Et l'architecture aussi, des villages. C'est tout le patrimoine culturel et tous les paysages, quoi. Côté vivant de Toulouse, il faudrait réussir à le garder et peut-être l'amener un petit peu plus dans les campagnes, sans qu'elle soit non plus envahie et surtout sans que ça devienne vraiment des cités dortoirs de Toulouse. Ici, ce qu'on a, c'est la ville, la campagne. Et il faut garder les deux, il faut garder ce côté ville accessible et protéger la campagne qu'on a encore autour. Ça fait quelques temps que je suis là et j'ai remarqué que ça se construit beaucoup, on fait beaucoup de constructions, d'appartements. Et même si on fait de belles constructions qu'il faut construire parce qu'on amène beaucoup de monde, il faut protéger nos petits coins de verdure. De l'humain et de la nature, je pense qu'il faut s'occuper et préserver.